pas de repos. En effet, à la messe anniversaire pour la mère de Louis-Philippe, nous sommes en 1831, se pose la question des armoiries à disposer sur le catafalque lors de la messe. Y aura-t-il des fleurs de lys à Dreux ? Eh bien, les ordres donnés aux régisseurs sont très clairs. Je vous cite. Vous devrez vous abstenir de faire décorer la chapelle des armoiries de la feu princesse. La couronne qu'on y posera cette année devra être sans fleurs de lys. Et si vous ne pouvez pas vous en procurer une, vous n'en mettrez pas du tout. Alors, 10 ans plus tard, les choses ont un peu changé. Parce que le régime Louis-Philippe semble bien installé et les fleurs de lys réapparaissent. Vous voyez qu'en 1844, elles sont abondamment sculptées aux voussures du portail, où l'on serait bien en peine de trouver l'emblème de la monarchie juillet, de la charte. Ici, c'est clairement les armes familiales, fleurs de lysée, que l'on peut retrouver. Au moment où ces fleurs de lys sont sculptées, depuis longtemps déjà, la chapelle était devenue un tombeau réellement orléans, puisque en 1822, la tante de Louis-Philippe était enterrée, puis l'un des fils de Louis-Philippe, qui meurt en bas âge, Charles de Penthièvre, mais après 1830, donc après la venue sur le trône de Louis-Philippe, rien ne laisse préjuger de la transformation, ce qui est devenu la chapelle royale de Dreux, en nécropole royale. Tout laissait supposer qu'un jour, Louis-Philippe rejoindrait, comme les siens, la basilique de Saint-Denis, qui était donc la basilique des rois. De même que Louis-Philippe avait quitté le palais royal pour les Tuileries, on pouvait penser qu'un jour, Dreux serait délaissé au profit de Saint-Denis. La question s'est posée pour la première fois à la mort de Marie d'Orléans, donc une fille de Louis-Philippe, qui meurt en 1839, et 3 ans plus tard, à la mort de Ferdinand, son fils aîné, mort brutalement d'un bête accident de voiture à cheval. Et le choix des inhumés à Dreux, et non pas à Saint-Denis, constitue une vraie rupture politique, quand on sait que Napoléon avait voulu lui-même trouver le dernier repos à Saint-Denis, pour en faire le caveau des princes de la maison impériale, et d'ailleurs la crypte qu'il avait fait construire à Saint-Denis pour lui-même, c'est celle qui a été utilisée en 1815-1816 par Louis XVIII pour les corps de Louis XVI et Marie-Antoinette, puis après pour tous les ossements des Capétiens, des Valois, etc., qui se trouvaient inhumés hors la basilique depuis la profanation. Alors c'était logique pour Napoléon, parce qu'il voulait s'inscrire comme quatrième dynastie dans la longue lignée des souverains français. Et Louis-Philippe, lui, ne veut pas fonder une cinquième dynastie. Il se considère comme un capétien, donc il n'a pas cette nécessité de vouloir se rattacher au rameau précédent. Au contraire, le choix de Dreux le met un peu à distance de la basilique des rois de France, lui qui est maintenant roi des Français. Donc il apparaît à Dreux, du fait qu'il est le premier roi à être inhumé ici, comme un prince fondateur qui crée son propre espace dynastique. Et de fait, Louis-Philippe s'est investi considérablement dans les travaux de cette chapelle pour la remanier. J'aimerais citer à nouveau Montalivet. Pas une tombe dont il n'ait marqué la place, pas une inscription qui n'ait dicté et corrigé, pas un vitrail dont il n'ait indiqué et tracé le programme. C'est lui-même qui a assigné la place destinée à chacun des membres de sa famille.